toujours moi. Je présente un livre qui est le troisième d'une série, en fait, sur le thème que indique le premier, la diabolisation de la femme. Je l'avais commencé, ce livre. Bon, j'étais marié avec Maudit, j'étais dans l'association, on l'avait créé, tout ça. Mais j'avais commencé dans un hôpital où j'étais en rééducation. C'était des invalides. Bon, c'est comme ça. Et qui a une bonne bibliothèque. Et je m'étais intéressé à titre de, comment dire, de symbole aux persécutions des sorcières depuis le 15e, 16e jusqu'au 17e, même presque 18e siècle en France et en Europe. Et puis j'ai continué après avec un deuxième sur la misogynie et un troisième sur, c'est celui d'aujourd'hui, la prostitution, qui s'appelle la caissière et la putain. Alors pourquoi la caissière et la putain? Je vous le dis en deux mots. C'est une déclaration de Madame Badinter, Elisabeth, bon, que je respecte, mais dont je ne partage pas toujours toutes les décisions, enfin, toutes les déclarations plutôt, et qui parlait des femmes qui se prostituaient pour gagner plus. Alors, c'était, si une femme souhaite gagner en 3 jours ce que d'autres gagneraient en 1 mois à la caisse d'un supermarché, c'est son droit. Donc c'est le droit à la prostitution économique. Hein. Bon, ça m'avait fait bondir, et puis j'ai voulu, avec tout le contenu par derrière de l'association et de nos luttes, faire un livre avec des tas de facettes, petites facettes différentes de la société dans laquelle nous vivons. Bon, voilà. Donc, c'est toujours je suis de formation sociologue, mais c'est la sociologie militante, quoi, si vous voulez. C'est fait à partir d'entretien, comment? C'est fait à partir d'entretien, de rencontres. Oui, pas forcément d'entretien. C'est de rencontres, de documents, ou de journaux, de télévision, etc. Voilà. Bon, alors, je m'arrête là pour présenter mon livre. J'ai encore une seconde, là, pour vous dire un petit mot à Blandine, devant tout le monde, qui dit si bien les textes de Maudit. Quand Maudit a écrit son livre, Mes yeux s'en sont allés, moi j'étais le dactylo, et le correcteur, et on a cherché un éditeur. Bon. On a contacté pas mal d'éditeurs et je me souviens qu'elle avait reçu la réponse de je ne sais plus lequel, alors là je ne pourrais pas vous dire, qui lui disait: ne pourrons pas malheureusement retenir votre manuscrit. Et le type, un homme qui écrivait, lui disait: je n'aime pas du tout vos poèmes. C'est pour ça que je ne le retiens pas. Non. Et je me souviens que Henri-Jacques Sticker avait, on en avait parlé à ce moment-là, il avait lu le manuscrit et il s'était mis en colère contre cette façon de... Parce que lui avait beaucoup aimé, puis après, bon, on a trouvé l'arbatant, des amis, etc. Voilà, alors pour dire que c'est à cause de ses poèmes qu'on lui avait refusé son livre. On a beaucoup de plaisir à lire et à entendre. Eh ben, oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, je peux faire une petite annonce en plus? Là, non, je ne vais pas. Profite de ta situation. Bon, c'est pour vous dire que j'ai retrouvé le mémoire que Maudit avait rédigé pour son DEA de psychanalyse, où elle a inauguré, si on peut dire,
la formule de la perte de vue. Les yeux s'en sont allés, donc les perdants la vue. Et c'est un mémoire qui est très intéressant, seulement il est uniquement sur tapé sur papier. À ce moment-là, il n'y avait pas. On ne serait pas beaucoup d'internet. Je cherche quelqu'un qui pourrait, avec moi, travailler pour l'éditer. Voilà. C'est pas énorme, enfin, c'est quand même 100 et quelques pages, quoi, mais qui est, à mon avis, très intéressant pour suivre sa pensée. Voilà. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Merci.